卢卡斯本来就很爱去素食店，也很爱运动的他，一个礼拜是至少去一次肯德基。所以他在台湾的时候，我希望说一定要在试吃台湾素食店才买得到的商品。羊汤好喝。像大家知道，只有台湾的麦当劳才买得到玉米浓汤和奶茶吗 ？Another Taiwan exclusive corn soup. This is awesome. 所以在练完JoJo圣功之后，带卢卡斯去跋山看一下风景。Yeah. 再参观一下台湾的庙。去吧，卢。然后故意让他饿肚子，再让他试吃台湾素食店所有的限定商品。哇、On n'est pas au fast-food, mais dans un resto gastronomique. 究竟台湾在有的素食商品能不能虏获爱吃素食店卢卡斯呢？这一次就让他感受到台湾人的创意。你知道有些运动比赛或是节目在某些国家是可以在网络上免费收看的，但如果你住台湾，根本看不到的吗？扣分！这时候就是可以用 NoVPN 给你的 IP 位置，让你进去那些网站。这次谢谢 NoVPN 给我们一串，请我朋友来台湾，让我们拍这个超级鬼的系列。一个 VPN 是一个 APP， 会建立一个加密通道，让你保护你的资讯，也会让你把你的 IP 位置移动到其他国家。比如说，我跟卢卡斯想要看世界杯的时候，我们找了一个国家可以让我们免费看直播，把电脑的 IP 位置移到那里，然后就可以看了。虽然卢卡斯累到没有看完了。NoVPN 总共有50多个国家可以让你做切换，想要试试看的话，就是试用我的折扣码 Cool Dream， 最近满2年有个很大的折扣，再免费送4个月，链接在影片下方。Voilà mon pote Lucas, je sais que t'aimes bien tout ce qui est fast food, tout ce qui est un petit peu hamburger et poulet frit. Ce qu'on t'a préparé aujourd'hui, c'est les éditions limitées à Taïwan. C'est-à-dire c'est les produits qu'on trouve soit que à Taïwan ou si on fait leur début à Taïwan en exclusivité. Pour les enfants qui regardent, je sais que c'est pas très bien. Il faut pas aller trop au McDo, ni au KFC, ni machin, il faut éviter. Mais malheureusement, moi je suis adulte donc je fais ce que je veux, hein, et je vous emmerde. Donc le premier, c'est Burger King, et c'est un repas du matin, donc on l'a déjà acheté. Aman. Wouah! Oh, je crois qu'on allait rentrer quand même, non, même pas. Non, non, on l'a déjà préparé. Voilà. Et justement, c'est celui-là. Et comment, il y a tout bien, c'est vous. C'est un croissant wick. Le pain, c'est du croissant en fait. Exactement. Ah. Donc nous, on fait pas ça en France. Ah non. En tant que Français, en tant que grand connaisseur de croissant, on va voir un petit peu comment ça goûte. Croissant, bon, croissant français, c'est pas comme ça. Mais bon, le concept est vraiment cool. Cacahuète, porc dans un croissant. Pour le petit déj, j'ai trouvé ça génial. Oh, le bon gros. C'est bon. Il est pas mal. C'est bon, ouais. Alors, le côté croissant. Ça, c'est pas du croissant, les gars. C'est pas du croissant. Il y a le beau geste. Voilà, il y a le beau geste. Donc là, maintenant, sur le burger, on va donner une note sur le goût et sur l'originalité. L'ensemble est quand même bon et harmonieux, du coup, je mettrais quand même 3 sur 5. Et l'originalité 4. Il y a la belle touche pour le croissant, le goût de la cacahuète avec l'omelette, etc. Tout, c'est pas mal du tout. Au prochain, le prochain, c'est le bien connu, c'est le. Domac. Yes, c'est parti, Hugo. Après, on est allé au McDo. Ça passe bien quand t'es entre potes et tout, mais c'est pas non plus le truc de ouf. Là, pour le coup, il y avait vraiment des trucs sympas. Donc là, maintenant, on va regarder là. Tout ce que tu vois sur ce plateau, c'est exclusivement taïwanais. Et je pense qu'on va commencer par. Ouais! Chicken McCrispy. Il n'y a que à Taïwan qu'ils ont ça au McDo. Mais pourquoi? Je sais pas, gros. Je pense que chaque jour qui passe, McDo perd de l'argent parce qu'ils n'ont pas fait dans les deux. Je sais pas, ouais, gros. Ouais, il est beau, il est gourmand. Allez. Franchement, je suis à deux doigts de verser une larme tellement je suis heureux. C'est une vraie pièce de poulet. C'était pas un nugget. Il était même meilleur, je pense, que certains poulets qu'on avait goûté sur la vidéo où il y avait tous les poulets frits. Très rapidement, combien tu lui mets en goût et en inner? Bah, en goût, 5. C'est trop bon. Innovation, je sais pas si on peut dire innovation du coup. Mais au McDo quand même. Du coup, 5 aussi. Ouais. Ok. Man ven. Bam. Simple, mais vraiment très très bon. McDo, moi je prendrais cette pièce de poulet là, clairement, si elle y était. Et en dernier, mec, c'est improbable. Déjà, une soupe au McDo. Bon. Et il y a des morceaux de maïs dedans. Ouais. C'est vraiment hautement inhabituel d'avoir ça dans un McDo. Mm-hmm. Bois ta petite soupe avant de partir, c'est comme un petit café en fait. Ouais. Je pense qu'il y a quand même de la calorie dedans, mais tu te dis, je défonce un peu moins mon corps. Plutôt que de prendre un coca, tu prends ta soupe de maïs, franchement, c'est méga bien. C'est validé, ouais. Ouais, il y a aussi des gens qui font ça. Oh non. Taïwanais de ce soir, là, au deuxième bout de l'art. Pas de plus. Il y a les Taïwanais qui font ça, faut qu'on teste. C'est quoi le mot magique? Poketti. Ok. J'ai fait. Ouais. 3 secondes plus tard. En fait, ça remplace le croûton de pain. Mmh. Ça. Innovation, un gros 4. Le 5 étant réservé au poulet. Ok. Voilà.
Et pour le goût, je mettrais entre 3,5 et 4. Ça, pour le coup, ça coûte rien. Il pourrait l'importer en France aussi. Tu vois, une petite soupe de maïs. Non, elle était vraiment bien passée. T'es venu ici, t'as fait une autre découverte d'un point de poisson. Le thé au lait. Exactement. Alors ça, j'adore. Ici, ils ont du thé au lait. Il est bon ? Tu vas m'en dire des nouvelles. Ah oui, très bon. Mmh. Ah, j'aime beaucoup. C'est frais, c'est rafraîchissant. Je préfère boire ça que du coca, tu vois. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Bah, je crois que j'en ai bu quasiment tous les jours de ça. C'est un truc tout con. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Ouais. Oh, heureux. Ah, je suis pas content. Ah, c'est super bon aussi. Mais le 5, c'est le poulet. Ah ouais, il est fort, là. 4,5. Tu penses c'est quoi le prochain ? KFC. KFC. À tout moment. Et pour le KFC, on a un petit challenge, parce que sinon, c'est pas marrant. On va tester ton niveau de chinois ? Qui est très bon. T'inquiète pas mec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner une oreillette et je vais te dire tout ce que tu l'as commandé en chinois. Ok. T'as juste à répéter. Ok. Tu peux le faire gros. Allez. Tu me lâches pas gros. J'arrive dans le truc, sûr de moi, je vais tout casser. Ni hao. Tu vas leur commander Ihe Yuen Wei Dan Ta. Ah. Ihe Yuen Wei Dan Ta. Ihe Yuen Wei Dan Ta. 一个QQ球 Et là, elle me pose une question. Oh. Allô. Ouais, c'est bon. Là, vous entendez plus. Vas-y. Tu peux dire, t'es en dur, là. T'es en dur, là. Ok. Ok. De quoi? Vous y en foutiez. Tu peux leur demander « Wo de zhongwen hao ma ?»« Wo de zhongwen hao ma ?»« Oui. »« Oui. »« Ni jue de wo suai ma ?»« Ni jue de wo suai ma ?» Ah, je me dis oui. C'est vraiment bizarre. Vas-y, on va voir si t'as réussi ou pas. Du coup, j'ai demandé une fois le truc et elle me disait « Ouais, ouais. » Et puis moi, j'étais fier de moi. T'as demandé si t'étais beau gosse, elle a dit oui quand même. Bah, c'est quand même incroyable ça. On n'a pas regardé s'il n'y avait pas son numéro sur le ticket. Bien joué mon pote. Eh mais direct, tu me répétais, je t'ai dit c'est bon gros. Vas-y, on va goûter les autres exclusivités du KFC. Allez, c'est parti. Allez go. Là on va faire découvrir des saveurs que tu n'as jamais découvertes avant. Notamment le Chinguradia Okara Tweji. Et tu penses que tu vas me surprendre avec du poulet. Ouais, alors là, pour être surpris, je pense que je vais être surpris. T'as pour un bon concours. Hein. C'est pas trop chaud. Non ça va, c'est pas chaud. Ouais, il est spicy, le bâtard. Ah ah. Là, il y a un. Waouh. On a de l'eau ou pas? Waouh. Mauvaise idée. Ah ouais, il était démoniaque ce poulet. Oh, ah, je l'avais pas aimé celui-là. Ah non, c'était trop. On a du café si tu veux. Putain, prends du café, gros. Vous êtes tigé contre moi. Putain, c'est quoi cette merde? Ouais, ouais. Putain, y'a rien qui sort. What the fuck? Vas-y. Gros, c'est quoi cette merde là? Putain. Mais putain, il y a le plastique. C'est pas un bon coup, ça. Elle est contente, en plus. Je me rappelle à Mao, cette saleté. Tu me regardes, là. Ouais, là. À Mao, je suis pas content. Hein. Donc, innovation, je vais mettre entre 2 et 3. Le goût du poulet est bon. En soi, les épices, c'est bon quand même. 3 et demi. OK. On va enchaîner avec un autre type de poulet. Moins épicé. Ça aussi, j'ai jamais vu. Oh mec, c'est pas banal. Et on a ça aussi à mettre au-dessus. Est-ce qu'il y a des flammes dessus? Genre pour dire ça va te mettre le feu. Après, tu mets un briquet et ça flambe. Ah, moi je sais ce que c'est là. Ah, ça a une odeur de quoi? Alcool de riz. C'est poulet. Alcool de riz. Alcool de riz. J'aurais jamais pensé un jour que je mangerais comme ça au KFC. Bah, franchement, moi non plus. On est dans un resto gastronomique. Mmh. On n'est pas au fast food. Mais ouais. Mmh. C'est bon? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Mmh. Hein? Il fond dans la bouche. Mais oui! Il est vraiment très très bon. C'était pas du cinéma, quoi. Il est trop bon. T'as oublié de faire les trucs au poulet. Mais ouais! Encore! Je sens encore la douceur du poulet sur ma bouche. Sur tout le séjour, il fait partie de. Il est dans mon top 1 quand même. Ah bah 5! Wow. 5? Bah oui, 5! Bah si! Moi je suis d'accord, mais moi j'ai envie de le mettre au-dessus de McDo. J'aurais tendance à aller dans ton sens. Oh, dire, il faut venir à Taïwan pour le croire. Bah oui, gros. On va enchaîner avec un truc un plus original. Du porridge de quinoa. Ah. Je vois qu'on tend vers la diète. Le concept est fortement sympathique. Et ça, c'est un plat du matin.
déjà niveau innovation, on est max. Et c'est exactement le genre de truc que moi j'adore et que je trouve pas en France. Ah. Là on est vraiment sur du riz gluant, tu vois, qui a bien. J'adore ça. Du coup on dit porridge, c'est comme ça qu'il y a... On dit ciao. 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 Putain, dès que je pars en chinois, c'est foutu. Ciao. On mène de Tengang Dai Biao.嗯 在这里面加一桶就好了 On a tué. Le tout en fait, t'as fait un truc qui fait méga plaisir, méga réconfortant, que t'as pas normalement. T'as que des frites normalement chez KFC, des frites, des potatoes, des trucs comme ça. Innovation, c'est au moins 5 gros. Moi je mets 6 en innovation. On peut mettre au-dessus? Ouais. Bah je mets 6 aussi gros, parce que l'innovation c'est révolutionnaire. Et ça va changer. Moi j'ai envie de mettre 5 aussi, tu vois, c'est dans un autre registre. Moi tu me sers ça le matin, je suis content. Bah voilà. Vraiment. Ouais, KFC, franchement, vous êtes meilleur qu'en France. Bon, maintenant on va passer au dessert. Oh! Les boules de patates douces? Ouais! Fusion! Oh, sûr! Oh, sûr! Non, c'est bon, j'aime bien. 3-3. Okay. Ok. Next. Le dernier, grand classique du KFC à Taïwan, qu'on appelle les tartelettes aux œufs. Les Taïwanais raffolent de ça. C'est vrai? C'est vrai que c'est bon. Ouais. Pas très beau projet aussi. C'est pas un dessert que tu trouves normalement dans les fast-foods non plus. Tu t'attends à avoir des sundaes, des McFlurry, des glaces. Franchement, belle idée. Moi, innovation, un bon 4. En termes de goût, 4 aussi parce que c'est bon. Moi, je trouve que là, vraiment, le KFC, on est sur un niveau qui est un peu au-dessus. Hein. Ils ont mis une claquette derrière la tête du McDo. Tac, comme ça. Bah, les Français, maintenant, vous savez, hein, si jamais vous venez à Taïwan, vous savez ce qu'il vous commandez. It's a place to be. C'est parti. Ok, maintenant, on va manger des pizzas. Let's go. Ah, après, on allait se poser dans un petit parc. La nana qui chantait des trucs vraiment typiques asiatiques, taïwanais, je sais pas ce qu'elle chantait, mais c'était trop beau, j'aimais trop. Genre, en plus, on a eu le beau temps, on était bien, on s'est posé, petite serviette, installée comme pour un pique-nique. Les gens qui jouaient avec les chiens, même les chiens taïwanais, ils sont relax. Ils jouent ensemble, putain. T'avais même un mec, il trimbalait quoi? C'était un canard. Il avait un canard, il s'éclatait, il l'avait sur la main comme ça, puis il faisait comme ça, il lui courait après aussi. Enfin, ouais, Taïwan, c'est un petit Ghibli en fait. Vas-y, donc t'as remarqué, on a notre. Bon, pas, pas. On a le meilleur de pizza. Mais non, c'est un maillot. En plus. Incroyable, on se livrait pizza devant nous, alors qu'on était sur notre serviette dans le parc. Ça, c'est ouf aussi. Elle m'éblouit tellement elle est belle. Oh, chéché. Chéché. Oh. Chéché. 谢谢 我跟你们收费 要收钱吗 你说吗 Thank you 哦 c'est en plus 谢谢 La pizza qui arrive directement dans le parc. Je t'avais dit, le mot-clé à Taïwan, c'est la praticité. En plus, elle est chaude encore, je le sens. Comme au mariage. Wow. Ça encore, c'est une saveur qui est exclusive à Taïwan. Ta-da. Mec. C'est une taille devant. Cheese, ouais. C'est absolument inédit. Je sais pas ce que c'est. Moi, je trouve ça plutôt bon. C'est un peu surprenant sur une pizza. C'est censé être goût salade de homard. Ah ouais? Elle est où la salade? Je pense pas qu'il... Pour me faire un kiff, je sais pas si je commanderais ça. Non. C'était pas une bonne idée, ça. Vous avez fauté, les gars. Innovation, moi, je peux mettre 3,5. Niveau goût, je mets quand même au moins 3. Hein. Je mets une moyenne un peu plus. Je respecte. Et la prochaine, c'est Pizza Hut. Je vois déjà le livreur arriver. GG. C'est ouvert. Ah. Parce que ce serait du thé vert. Hein. Exactement. La dernière enseigne d'aujourd'hui, c'est Pizza Hut. Tada. Wow. Oh, elle est fat. Je vais l'épouser. Wow. Elle a l'air pas mal, hein. Ah ouais. Ah, ça, c'est des poussins bizarres. Ouais, d'accord. Alors, on est OK. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est... Wow. Ah ouais, c'est beau, ça. Oh, vite. Elle est bien, bien fat, hein. Oh, wow. How she énorme. 我以为你说好好吃哦，你看到我这这很咸哎，哇！Après ça passe bien, ça c'est plus validé. Il y a un goût qui est fort aussi derrière. Ah ouais. Ce que c'est quoi? C'est goût barbecue poivre. Ah, ok. Ça tu peux nourrir toute ta famille, moi. Ah je pense. Ah ouais. Tu ramènes même les voisins, les chiens, tu ramènes. Tu ramènes tout le monde vraiment, elle est costaud, hein. 这可能对法国人有点重口味，因为有撒黑胡椒。对法国人来说，黑胡椒就是辣的味道。 T'as entendu j'étais une chiotte là? Ouais. Ouais, elle était trop chargée la pizza. Ça allait, mais c'était trop quand même.
Mais ça, par contre, ça, moi, j'en prendrais, tu vois. En vrai, c'est pas mal, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Donc moi, je mettrais entre 3,5 et 4 aux deux. De ce côté-là, je préfère le classique. Par rapport aux autres fast-food qu'on a goûté avant, c'était la mauvaise note. Après, le cadre rattrapait un peu tout ça. Je me sentais trop bien dans ce parc. On est resté un moment. Hein. Bon, ok, mon ami Lucas, on a pensé quoi cette expérience? Le KFC, c'est la grosse surprise du jour. Surprise incroyable. Donc c'est lequel tu penses qui marchera le mieux en France? Fais-leur un message dès maintenant là. Messieurs du KFC Nancy Oudemont, parce que c'est là que je vais. On veut le même poulet qu'à Taïwan. Il est vraiment incroyable. Vous aurez deux fois plus de monde. Et on veut aussi le cho. Je vais vous renseigner sur ce que c'est. Ok. Et maintenant que je suis méga chaud. Wow. Woman, tiens, ça te tienne. Bye bye. Voilà. J'espère qu'elle est bonne celle-là. En général, à Taïwan, quand il fait froid, il y a un truc qu'on mange. La fondue peut-être. Exactement. Allez. Quasiment un an jour pour jour avec celle que tu m'avais fait découvrir. Donc du coup, je me dis, vas-y, on va avoir la même version, mais version à Taïwan, ça va être encore une fois une dinguerie. On arrive, petit ascenseur, on monte, et là, incroyable. Un hot pot buffet à volonté. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Tout me faisait envie. Eh, c'est le paradis. Maman, on peut dormir ici. Il y avait que des trucs qui me faisaient envie, je me suis dit, je ne repartirai jamais d'ici. Il faut tester ça. Surtout quand nous, on s'est installé, qu'on avait toutes les assiettes. Et là, on s'est dit, ok, les choses sérieuses peuvent commencer. Tout le monde dit qu'il ne faut pas mettre le tarot dans le hot pot. Moi, je le mets. Et je suis en soutien, j'aurais mis aussi. C'est ultra bonne la viande. Oh, juste de la mettre dedans, en plus, ça cuit super vite. Le fameux bouillon malin. Ah ouais. Voilà, je crois que je venais manger pour une vie, là. C'est bon. Tu sens les molécules de H2O? Oh, le soleil qui caresse ma peau. J'ai cru que t'allais terminer la phrase autrement.